Nous sommes le mercredi 8 avril 2020 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, la majorité des blés ont atteint le stade premier nœud dans l'ensemble du département. Attention aux cales cellulaires qu'on peut observer sur certaines parcelles semi-tôt. Elles font penser à des blés qui sont aujourd'hui au stade de nœud, ce qui n'est pas le cas dans notre département. Donc on est majoritairement en stade premier nœud. Alors au niveau des maladies, les conditions climatiques ne sont pas très favorables aux champignons, hein, que ce soit septoriose ou rouille. On observe localement de l'oïdium sur les sols sableux, les sols crayeux, de l'oïdium qui reste dans les pieds des plantes et qui ne monte pas sur les feuilles aujourd'hui. Alors attention aussi, on a des brûlures sur des feuilles qui correspondent souvent à des brûlures de passage d'azote liquide et qui pourraient ressembler à des taches de septoriose. Aujourd'hui, on n'a pas de septoriose sur les plantes, les conditions ne sont pas favorables et on a toujours des taches de septoriose sur les vieilles feuilles qui sont en train de se dessécher à la base des plantes. Donc pour l'instant, la situation sur les céréales et les blés en particulier est relativement saine. Donc les conditions climatiques actuelles, en fait l'absence de gel matinal et les températures plutôt douces voire chaudes de la journée sont favorables au développement et à la croissance des céréales. Donc au stade actuel, on est dans une situation où c'est plutôt favorable à l'application des régulateurs de croissance dans les parcelles ou sur les parcelles en tout cas où c'est nécessaire. Alors, je vous rappelle que la règle, elle est relativement simple, hein. On applique un régulateur de croissance sur des parcelles qui ont beaucoup de tiges, hein, 800 tiges au minimum au mètre carré, ou sur des parcelles qui ont des précédents riches, hein, type haricots, pommes de terre, qui peuvent avoir un effet sur l'averse. Au niveau des orges de printemps, on a des orges de printemps qui sont en cours de levée, puis des parcelles qui sont déjà entalagées. Pour les orges de printemps en cours de levée, on vous rappelle que le puceron de la jaunisse nasisante peut être nuisible pour ces parcelles. Donc surveillez attentivement les parcelles. Au niveau du seuil, on est toujours au même seuil, hein, 10% des plantes colonisées par les pucerons ou présence de pucerons pendant plus de 10 jours si on est en dessous de ce seuil. On est au stade de sensibilité, les températures sont douces. C'est plutôt favorable à cet insecte. Alors pour les pois protéagineux, aujourd'hui on a pas mal de surfaces qui ont été ressemées cette année. On a des levées qui sont en cours. Alors ce qu'on observe majoritairement sur les parcelles, c'est plutôt des dégâts de pigeons avec des fortes concentrations sur certains secteurs boisés. Et puis on commence à observer des morsures de cytone sur les plantes. Alors je vous rappelle que le seuil d'intervention sur le cytone, c'est lorsqu'on a 10 morsures sur l'étage de feuilles le plus développé. Donc surveillez ces parcelles-là, soyez attentifs. Les conditions de température et de sécheresse sont plutôt favorables à cet insecte aujourd'hui. Alors pour les colzas, la floraison est en cours. Hein. Les parcelles les plus avancées aujourd'hui ont atteint le stade G1, à savoir les 10 premières siliques qui font moins de 2 cm. Pour ces parcelles, la chute des pétales est en cours, donc on est à la période de risque sclérotinia la plus importante. Même si les conditions climatiques ne sont pas très favorables, à savoir du vent et des conditions sèches, donc on a des pétales qui ne collent pas énormément sur les feuilles, mais en tout état de cause, une protection fongicide préventive est absolument indispensable. Si on a quelques pieds qui sont colonisés par des pucerons cendrés, on les observe surtout en bordure de parcelles, ça reste très marginal, aucune lutte à envisager pour cet insecte. On retrouve en plaine une grosse hétérogénéité des parcelles, hein, entre les semis précoces qui ont été faits à partir du 15 août et les parcelles qui ont été semées à partir du 20-25 août, voire début septembre. En fait, les parcelles les plus belles aujourd'hui, les plus régulières, sont les semis précoces et celles qui souffrent le plus aujourd'hui sont ces semis tardifs. Je pense que c'est une règle qu'il va falloir adopter maintenant de semis plus précoces dans des conditions plus favorables. C'est la deuxième année où on voit ce genre de situation. Que ce soit dans le nord du département ou le sud du département, la situation est assez similaire. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.